Quand nous a gagné, on vient nous raconter l'histoire que tu lui as gagné. C'est quelle histoire ça? Il part avec. Il part avec. Parce que j'avais foi en lui et il est fort, il s'est entraîné dur et je suis tellement content. Et si ce que je ne fais pas les bêtes, si je pouvais miser, je devais miser sur lui, mais je n'ai pas misé. Je suis fier d'abord de naître camerounais. Je me suis déplacé de ma maison jusqu'à arriver à ce niveau. J'ai risqué des accidents parce que je suis venu supporter le champion. Tu sais que si tu es né dans un pays où il y a les champions, tu es obligé de supporter les champions. Alors le match était très 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 bien. Je supportais Francis Ngannou, j'étais fier d'être le frère camerounais de Francis Ngannou. Et j'espère bien que Ngannou va continuer dans cette lancée. Et je félicite très bien Francis Ngannou. Vraiment, nous sommes fiers d'être frères, nous sommes fiers des Camerounais. Nous allons continuer d'être les champions. Vive Ngannou, vive le Cameroun. Mais vous savez bien, Francis Ngannou nous a dit la dernière fois qu'il tape les gens pour vivre. Je ne comprends pas le système des Blancs, nous tous on a vu. Il a gagné au 5e rang, au 7e rang même. Mais à la fin, on ne sait pas ce qui s'est passé là. Vraiment, on est dépassé. Moi, je sais que Francis Ngannou, il a gagné son combat. C'est tout.
À l'Est, on était en fête, mais ils nous ont découragés. Vraiment, on est dépassé, on est dépassé. Mais Ngannou a gagné. C'est tout. Il est Camerounais, c'est un lieu indomptable. Ngannou a gagné. C'est la mafia des Blancs. Ils vont seulement rentrer avec les ceintures. On croyait que sur papier, non, c'est longtemps. C'est au Cameroun. Ngannou a gagné propre. Sur tous les rounds, on a vu comment il était dominant. Non. Selon vous m'expliquez comment. Donc, c'est la mafia des Blancs. C'est le championnat. Non, on connaît qu'il a gagné. Le monde entier connaît que non, c'est ça. Donc, Ngannou a gagné propre. Vous voulez qu'ils disent encore quoi sur le vague. Nous, on a tous vu que Ngannou a gagné. Ça a été clair. Et on est fiers de notre joueur. On est fiers du Cameroun. Il a représenté valablement le Cameroun. Moi, ça me plaît, ça me suffit. L'esprit était, nous étions contents d'avoir vu notre frère camerounais, comment on peut dire encore, toucher la peau. Comme on nous appelle les mangeurs d'humains. Donc, on les a abattus fort. Cette fois-ci, ils n'ont encore rien vu. Mais ils ont fait la mafia. C'est la mafia. Ngannou a gagné, mais ils ont fait la mafia. On reste tranquille, on maîtrise. C'est le schéma, ils sont posés. On ne comprend pas. Comment on fait ce racisme, non? Ils nous ont fait le racisme, donc on doit supporter seulement. On n'a rien à faire encore. C'était même plus qu'un prédateur parce que, en fait, pour moi, c'est lui qui donnait plus de coups. Et Fury, je pense qu'il est tombé deux fois. Donc je ne sais pas pourquoi on a dit que c'est Fury qui a gagné. Pourtant, on a vu, tout le monde a vu que c'est Ngannou qui donnait des coups. Mais voilà. Mais bon, je ne suis même pas déçue. Je suis contente parce que je sais que Ngannou a gagné et qu'il reste notre frère et il a gagné. Donc, les statistiques ont montré qu'il n'a pas gagné, mais pour nous, il reste le vainqueur, le gagnant. Bah, on ne peut qu'être ravis. Déjà, la priorité, c'était mobiliser tous les Camerounais pour l'événement. Ça a été fait. Donc, déjà, un franc succès. Bravo à Ngannou. Bravo projet Ngannou Go. Vraiment, on félicite. C'est que c'est bien passé. Bah, on ne peut que apprécier. Comme je vous ai dit au début, c'est déjà une très très grande victoire. Vous avez vu aujourd'hui, c'était les couleurs du Cameroun qui ont rayonné à Riyad. Donc pour moi, je suis amplement satisfait. Ngannou sort d'un championnat différent de celui de Tyson Fury. Et faire même ces 10 rounds, c'est magnifique. Donc pour moi, j'insiste encore. It was a win, it's actually a win.